Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Coquineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Riquebus, je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique? Eh bien parce que j'accompagne mes clients sur tous les plans de l'être. Le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour cela, j'ai différentes casquettes. Je suis diététicienne, praticienne Reiki. Je me suis formée en EFT, radiesthésie et j'ai toute une démarche, toute une approche comportementale, puisque je me suis formée aussi dans tout ce qui était thérapie cognitive et comportementale, méthode ACT, bienveillance, etc., etc. Tout cela, c'est pour m'aider à vous aider dans tout ce qui était mal-être intérieur, un mal-être que vous pouvez ressentir, mais parfois c'est plus ou moins inexpliqué. Tout cela, ça va m'aider à découvrir avec vous quelle est la racine de ce mal-être, vous aider à guérir vos blessures du passé, à vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs profondes, pour vous aider à faire la paix avec votre corps et la nourriture, retrouver cette harmonie, être épanoui dans votre vie. Si vous me connaissez depuis un moment et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, je vous invite à me contacter pour demander votre appel libération, donc un appel de 30 minutes offert. Vous avez le lien du questionnaire dans la description de la vidéo juste en dessous. Ça me permettra de mieux comprendre votre situation actuelle, de mieux cerner votre besoin et on en discutera de vive voix, voir dans quelle mesure je peux vous aider, quels sont les outils, les services que je propose qui seraient le plus adaptés à votre situation particulière. Avant même de parler d'alimentation intuitive aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir la notification qui vous permettra d'être informé tout de suite dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Aujourd'hui donc, on parle d'alimentation intuitive et j'aimerais vous expliquer pourquoi je préfère l'alimentation intuitive au rééquilibrage alimentaire. Pour cela, trois raisons. Première raison, c'est que pour moi, l'alimentation intuitive va vous apprendre, c'est un outil, elle vous apprend à vous reconnecter à vos sensations de faim et de satiété, alors qu'un rééquilibrage alimentaire va vous imposer un nombre de repas et des quantités. Donc elle vous impose au lieu de vous permettre de ressentir. Deuxième raison, c'est que l'alimentation intuitive va prendre en compte d'abord le plaisir que vous apporte la nourriture et va vous faire sortir justement du cadre aliments sains, aliments malsains, hein, les fameux bons ou mauvais aliments, alors que le rééquilibrage alimentaire, très souvent, peut vous pousser à l'orthorexie. L'orthorexie, c'est cette obsession du manger sain, du diététiquement correct, c'est une pathologie mentale. Et enfin, troisième raison, c'est que l'alimentation intuitive va vous apprendre à découvrir quelle est votre propre alimentation, celle qui est adaptée à vos rythmes de vie, à votre environnement, à vos goûts, à vos besoins du moment, à vos envies. Alors que le rééquilibrage alimentaire, eh bien, il peut rester figé sur des critères de nutrition sans prendre en compte, en fait, toutes les fluctuations normales, hein, mais naturelles et journalières, parce que des fluctuations, il y en a. Donc si on reste figé sur son plan alimentaire, on ne peut pas suivre les fluctuations naturelles de son corps. L'alimentation intuitive, elle, vous apprend justement à suivre le flot. Voilà pourquoi je préfère l'alimentation intuitive au rééquilibrage alimentaire. Je vous invite du coup à réagir dans les commentaires, à m'expliquer aussi peut-être vous quelles sont vos raisons qui vous font préférer l'alimentation intuitive justement. Je serais donc curieuse d'avoir vos raisons à vous, ça ce sont les miennes, mais je vous invite à partager les vôtres. Peut-être que ça tout simplement donnera envie à d'autres femmes de se pencher sur cet outil qu'est l'alimentation intuitive et donc les aider à créer leur propre alimentation, celle qui leur convient. Je vous invite aussi à liker et partager la vidéo autour de vous parce que ça aidera la vidéo à être plus visible tout simplement sur les réseaux sociaux et sur internet et ainsi d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore pourraient bénéficier de ces conseils et donc ça pourra aussi les aider. Si vous avez besoin encore une fois de me contacter par mail, vous pouvez aussi le faire. Si vous avez envie, ça reste de privé. Ce que vous avez à me dire, je vous répondrai personnellement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut, salut !